Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Sophie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique ce meuble là. Donc c'est dans des conditions un petit peu particulières aujourd'hui parce que je suis dans une grande salle d'exposition. J'ai été invitée par le Rotary Club de Epinal dans les Vosges. Donc je vais vous montrer déjà mon stand et comment je me suis prise pour créer ce meuble. Donc je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo. À tout de suite. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo où je vous montre toute la préparation du meuble en amont. Si vous souhaitez la visionner, voici le lien. Là, je suis en train de coller au pistolet à colle tout ce que j'ai déjà découpé. Je commence par les cartons normaux, puis je rajoute par-dessus ceux qui sont colorés. Ensuite, je m'occupe de plier le carton qui va faire l'arrondi. Évidemment, pendant la découpe, j'ai bien pensé avoir les rainures dans le sens de la largeur. Ensuite, je l'ajuste et je le colle. Je trie mes cartons pour savoir lequel doit aller où. Je les adapte et j'ajuste ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire que je coupe là où c'est trop long. Et je passe le pistolet à colle pour les coller. Ensuite, pour installer ma façade, je vérifie si tout va bien. Je commence d'abord par mettre du scotch sur les arêtes de l'arrière pour avoir un point d'ancrage. Ensuite, je fais les petites arêtes qui sont en bas du meuble. Je colle le toit arrondi du meuble avec le pistolet. Quand tout tient bien ensemble, je remets une bonne couche de scotch par-dessus tout ça pour bien solidifier mon meuble. Avec le craft auto-adhésif, contrairement au craft gommé qu'on doit humidifier, on peut y aller d'une traite avec celui-là, et ce qui permet de travailler tranquillement. Dernière touche, je rajoute un morceau de carton jaune sur l'avant. Voici mon stand avec le meuble finalisé dessus. Donc voilà, ça y est, le meuble enfin terminé. Je suis bien contente d'avoir terminé. Je vous le remontre. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part, abonnez-vous. Sachez que sur cette chaîne, je fais 3 types de vidéos différents. Tous les lundis, ce sont des vlogs nature, les mercredis, des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis, des DIY de création comme aujourd'hui. Donc si vous souhaitez être tenu au courant de mes dernières nouveautés, abonnez-vous. Bonne journée, merci.